Bon bah salut à tous, c'est Axel Fraisse et cette fois-ci je vais vous faire un tutoriel sur les éclairs. Donc on commence avec After Effects, on l'allume bien sûr, hein, sinon ça va pas trop marcher. On prend notre vidéo. Bon en fait c'était juste pour vous montrer cette vidéo-là. On l'a fait glisser dans une nouvelle composition où ici ça marche aussi. Ensuite moi je vais redimensionner ma vidéo vu qu'elle commence un peu tard. Ouais, c'est chez moi, c'est beau, hein. Je rigole. On va commencer là. Et on va finir. On va finir. Ouais, là, comme ça, et ce sera vite fait. Hop, ça n'a que ça. Donc, pour faire les éclairs, on va commencer par créer, clic droit, créer un nouveau solide. On va l'appeler éclair. Non, pas faire ça. En fait, on va plutôt faire un objet nul. Hop. Ensuite, on clique sur le P de position du posé du position nulle là. Objet nul. C'est un peu précis. Hop. On va le faire commencer un peu plus tard. Ah, mais qu'est-ce qu'il est lent, cet ordi? On va faut attendre. Hop. Donc, on commence. Là. Réduit notre objet nul. On le redirait plus tard. Hop, on fait commencer pile là. Hop, on clique sur le P de position, on le met là. On peut zoomer pour que ce soit plus précis, bien sûr. Voilà, position. Ensuite, on va faire ça. Tout simplement. Bon, vous pouvez le faire un peu plus précis. Moi, je fais ça vite fait pour le tutoriel. Je vais le faire quand même. Voilà. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Ensuite, on va arrêter ça. Voilà, comme ça, c'est pile l'endroit qu'il nous faut. Regardez. L'objet nul, théoriquement, il va suivre si on le met. Ensuite, on va créer un solide. J'ai ma petite fiche, hein, vous devrez faire pareil vu que voilà. Créer un solide, on va l'appeler éclair. Hein, voilà. Couleur. Non. Ensuite, on va prendre l'effet éclair. Élaborer. Tout avec éclair, c'est pas trop embêtant parce que c'est pratiquement la même chose. Hop, on le met sur le solide et ça donne ça, vous voyez. Ensuite, on va dérouler nul pour position. On va dedans. On appuie sur Alt et on clique sur le chronomètre de origine. Vous voyez? Il y a tout ça qui va se mettre. On va cliquer là sur le petit tourbillon. On va le prendre et on va le faire glisser sur le machin de position. Voilà, on clique sur position. Ah, ça y crée un tas de petits trucs. Ensuite, on clique autre part. Voilà, attends, on pouvait voir que ça suit. Ouais, bon, attendez. Voilà.
plus à chaque fois. Donc on va le faire commencer quand on veut, en gros là. Parce que moi ça m'a fait un, je trouve ça un peu chiant parfois à chaque fois de faire toujours avec les mince comment on dit, j'ai oublié le nom. L'opacité, voilà. Ça va faire ça et ça va tenir à chaque fois. Hop là, voilà. Attention, on fait une petite prévisualisation. Ça va donner ça. Bon, je vous le mets dès que c'est fini. Voilà, Stadium Tsar. Regardez. Attends, faut diriger l'éclair. Bien sûr. Donc pour ça on va dans éclair, on va mettre axe plutôt vers là. Vous voyez? Ensuite on va paramétrer ça comme ça. Rayon. Pareil turbulence. Là il faut que je retrouve pas du noyau. C'est là. Rayon on va mettre 30. Non c'est un peu trop gros, je vais mettre plutôt 20 cette fois. Voilà, ensuite. Opacité, je vais la mettre à 60. Voilà. La couleur. Regardez, moi je marque ça. 62, c'est 9FF. 62, c'est 9FF. Ça donne un petit peu clair. Ensuite, fourche. On va mettre 62. Atténuation 0,50 et la turbulence à 1,05. Voilà, ça donne ça. Ensuite, on va créer un. On fait CTRL D pour copier éclair 1. On va renommer par exemple éclair 2. On passe l'éclair 1 par-dessus pour que ça passe un peu plus vrai. Et l'éclair 2, on va mettre ces paramètres là. Paramètres du noyau, rayon du noyau, on va mettre 5. Voilà. Atténuation 0,80. Rayon 5, voilà, tout à fait. On va déplacer l'axe maintenant. On va mettre un peu plus vers la gauche. Voilà, comme ça. Ensuite, sur éclair D, on va faire un autre CTRL D. Hop, l'éclair 3. Que lui, on va mettre l'axe un peu de l'autre côté, comme ça. Voilà, ensuite. On va pas faire l'autre côté, il suffit de faire la même chose de l'autre côté, ma main, mais bon, je vais pas le faire vu que c'est pour ça et rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ensuite? Bouille Kyrion, voilà. On fait clic droit, créer un calque d'effet, comme ça, qu'on va renommer lumière. Hop. On va faire lumière parasite. Sur le lumière ou ici quoi comme vous voulez, voilà. Ensuite on va lier la position de l'objet nul au centre de la source de ça. Donc l'objet nul on appuie sur P, lumière on appuie centre de la source Alt et on appuie ici sur le chronomètre. Ensuite on prend tout le petit tourbillon qu'on va mettre tout en bas sur position de l'objet nul, voilà. Hop. Et on va le mettre en 105 mm. Hop là. Vous voyez, ça fait déjà un super beau truc. Je vais vous faire une prévisualisation. Enfin, il faut réduire ça aussi, hein. N'oubliez pas, c'est important, sinon ça va faire bête.
Hop là. Vous pouvez faire pareil pour l'opacité, mais moi je m'embête pas, je préfère faire comme ça, méthode barbare. Ça rend pareil. À moins que vous vouliez en faire apparaître à la suite, après. Hop là, comme ça. Hop, je vous montre la prévisualisation. Le zéro du pavé numérique, hein, bien sûr. Voilà, ça va donner ça. Ce sera tout beau comme résultat. Et vous pourrez faire pareil à Harry Potter avec une baguette par exemple, l'un dans la main, ou plein de trucs. Hop, un petit zoom. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Les éclairs, les mettre un peu plus de turbulence. Ça va donner ça. Ça va vous bouger toujours un peu plus. Bon bah voilà, c'était Axel Frey. Sur mon site, vous pouvez toujours aller voir d'autres tutoriels que j'ai fait ou que je vais bientôt faire. Donc voilà. À bientôt pour un autre tutoriel.